Qu'est-ce qui nous a manqué, le petit Gumball? Ok, what? Attendez. Wesh! Ok, je crois qu'il est en train de se noyer dans l'aquarium. Et yo les gens, c'est Razan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale, les petits potes, puisque j'ai trouvé les portails secrets des héros sur Minecraft. Donc parmi ces héros, il y a tout simplement du coup Miraculous Ladybug qui est en rouge juste ici. Donc voilà, c'est le portail rouge. Il y a également Chat Noir, le portail noir. Le portail bleu, c'est tout simplement Gumball. Celui qui est en orange, c'est Lincoln Loud. Et celui qui est en rouge différent que ce rouge là-bas, c'est tout simplement Spider-Man. Et pour finir, voilà, en rose, Peppa Pig. Donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que vous allez voir qu'il va se passer énormément de choses, même si les personnages ne sont pas forcément méchants. Donc avant que cette vidéo ne commence, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche des notifications. Comme ça, tu feras partie de la team poulet. Et voilà, comme ça, on va tous ensemble vers les 200 000 abonnés. En plus, c'est totalement gratuit. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Donc n'hésite pas. N'hésitez pas également à lâcher un gros pouce bleu en dessous de cette vidéo si on pourra atteindre les 4000 pouces bleus pour cette vidéo très spéciale. Comme ça, je referai automatiquement un nouvel épisode de J'ai trouvé les portails secrets. Et voilà, sans plus tarder les petits potes, on va tout de suite se laisser avec l'introduction et la vidéo. A tout de suite. Elle m'en sorcelle. Elle a décidé d'être un souvenir. Ok, re les gens, voilà, du coup on se retrouve pour la vidéo et on va pas perdre de temps, on va tout de suite commencer. Alors juste avant, par contre, voilà, je voulais faire une petite pub pour mes réseaux sociaux. Tout simplement, voilà, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur TikTok puisque je vais commencer à faire des TikTok sur Minecraft. Je pense que ça va vous plaire. Donc mon TikTok, il est en description, c'est tout simplement romain.razen. Et n'hésitez pas également à me rejoindre sur mon Instagram, voilà, si vous voulez voir des photos de moi, etc. Et pour finir, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord qui sera également en description si vous souhaitez parler avec moi, etc. Je vais reprendre de l'activité à fond dessus, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Du coup, c'est parti les amis, on va tout de suite commencer la vidéo. Et du coup, voilà, je vais commencer un peu au hasard. Je vais choisir du coup la base de Peppa Pig. Ok, bon, c'est parti, on va aller voir Peppa Pig en premier. Vu que c'est moi qui l'a décidé, c'est parti. Hop, on va rentrer dans le portail du coup. Ok, donc on est dans la base de Peppa Pig. C'est assez bizarre, on dirait une petite maisonnette avec une genre de forêt là-bas. Oh, attendez, il y a Peppa Pig juste ici. What? Mais what, c'est Peppa Pig ça? Ok, elle a une tête bizarre. Mais what, Peppa Pig, comment ça se fait que t'as le visage déformé comme ça? Ok, c'est assez drôle du coup. Je me suis pris un camion dans le visage. Tu t'es pris un camion dans le visage? What? Ok, bah oui. Franchement, t'es bien déformé, hein, clairement. Regardez, ça... regardez son œil là, il est de travers, etc. Bon, on va arrêter de se moquer parce que c'est pas très marrant ce qu'elle a subi du coup. Mais du coup, voilà, Peppa Pig, t'as une mission pour moi du coup, dans ton portail secret? J'ai perdu ma fleur bleue. J'avais pas vu, il y avait un panneau ici. Ok, donc mission, trouve la fleur de Peppa Pig. Ok, donc on va devoir trouver la fleur de Peppa Pig. Mais attends, il y a une fleur juste derrière toi là, c'est celle-là non, Peppa Pig? Regarde, il y a deux fleurs ici. Ah, c'est une fleur bleue, j'ai perdu ma fleur bleue. Ah, c'est une fleur bleue, ok. Et du coup, je dois essayer de la retrouver, c'est ça? Oui. Ok, bah c'est parti, du coup, on va partir à la recherche de la fleur bleue. Elle est pas dans ta maisonnette, t'es sûr? T'as regardé? Je peux me permettre de rentrer, Peppa Pig? Oui, allez. Ok, ouais, bon, bah apparemment, non, il n'y a rien du tout ici. Ah, peut-être dans le fond là. What? Attendez, il y a un passage. Wow! Ok, il y a un passage secret. Ok, stylé. Oh! Attendez, et là il y a un truc bizarre les amis. Je sais pas si vous avez remarqué, mais attendez, regardez, là il y a de la roche et là il y a un genre de tapis au-dessus, c'est assez étrange. On va... Ok les amis! Ok, il y avait une trappe du coup avec un coffre. Ok, c'est bon, on a trouvé la fleur bleue. Ok, bah tiens Peppa Pig, du coup j'ai retrouvé ta fleur. Bon, elle était pas très très bien cachée, hein. T'aurais pu la retrouver toute seule en vrai. C'est bon du coup Peppa Pig, t'es contente? Oui, je suis très contente. Ok, parfait. Bon bah du coup je vais pas te déranger plus longtemps parce que j'ai beaucoup d'autres bases à aller voir. Du coup, bah voilà, c'était un plaisir de te voir, du coup, Peppa Pig. Et du coup, voilà, on se dit à la prochaine. Moi, je vais y aller, du coup, donc voilà. Au revoir. Ok, ouais, j'avais trop mimi. Ok, ouais, c'est parti, on sort de la base de Peppa Pig. Voilà, on a réussi la mission. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, les amis, voilà, si vous aimez les personnages de dessins animés, tout simplement, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des vidéos avec. En ce moment, voilà, je faisais que des vidéos avec des personnages horreur. Et du coup, voilà, j'ai décidé de remettre un peu dans mes vidéos des personnages que je faisais avant, voilà, donc dans les vidéos d'avant, voilà, qui étaient présents. Donc, comme Ladybug, Gumball, etc. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Et puis, on va tout de suite enchaîner avec, du coup, le prochain portail. Donc, à tout de suite. Ok, du coup, on va enchaîner avec le deuxième portail de cette vidéo.
Alors, quel portail je pourrais choisir? Bonne question. Bon allez, franchement, on va aller du coup dans celui de Lincoln Loud pour le deuxième. Ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu, ce personnage, voilà. Et pour ceux qui me suivent depuis le début de mes vidéos, ça a été un personnage, voilà, qui est apparu dans la première vidéo de ma chaîne, si vous vous souvenez bien. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs, comme ça vous verrez la différence un peu de mes vidéos d'avant du coup et de maintenant. Du coup, alors, mission, trouver Lincoln qui se cache dans le jardin. Ok, donc apparemment je pense que là on est dans la maison de des Loud du coup, pour ceux qui connaissent. Et du coup ici c'est tout simplement le jardin. Attendez, j'ai entendu un rire là. Oh, Lincoln? Ok, bon, il parle plus. Bon, en même temps s'il parle là, en vrai je serai où il est du coup, parce que je l'entendrai. Bon bah du coup on va devoir le trouver dans le jardin. Alors ok, c'est un jardin où il y a pas mal de cachettes je pense. Ok, c'est quoi ça ici? Ok, il y a un genre de passage secret. What? Ok, il m'a trollé les amis, regardez, il y a un smiley sur le panneau. Ok, bah du tout, c'est pas du tout ici du coup. What? Mais attendez, il y a vraiment des rires là, hein, je rêve pas. Je suis pas parano les amis, j'entends vraiment des rires, j'ai l'impression. Ok, bon, il y a personne derrière ici. Alors peut-être là-bas. Attendez, ici, il y a l'air d'avoir plus de caissons. Non, il y a personne non plus. Ok, bon, il y a pas mal de cachettes dans son jardin, c'est assez compliqué du coup. Oh, attendez, what? Ok les amis, je crois que j'ai trouvé, c'est bon. Oh, ok, coucou Lincoln. Ok, je t'ai trouvé, du coup j'ai réalisé la mission. Ok, ça va depuis le temps du coup? Ouais, ça va, ça va. Ok, bon bah super, ils sont pas là tout le reste de ta famille? Non, ils sont partis en vacances. Ah, ils sont partis en vacances, ils t'ont laissé tout seul ici? Bah, c'est pas la première fois que je reste tout seul chez moi. Ok, mais c'est assez bizarre, c'est pas cohérent ce que tu me dis, parce que je crois que toutes les zones, voilà, enfin ont repris. Enfin, je crois que la zone B reprend demain, voilà, les cours. Mais enfin, les deux autres zones ont repris les cours, du coup c'est assez bizarre qu'ils sont partis en vacances, sachant que vous avez encore école, non? Oui, mais ils sont partis en vacances entre filles. Ah, ok, entre filles, mais du coup, ouais, c'est les grandes qui sont parties, c'est ça, non? Je pense. Oui, oui. Ok, ça marche. Bon bah du coup vas-y Lincoln, hein, je vais pas te déranger plus longtemps, voilà, c'était un plaisir de te revoir. Mais du coup les amis, voilà, vous savez, hein, on a plusieurs bases à aller visiter, faut pas que la vidéo non plus dure une heure, parce que je pense que voilà, ça serait pas très intéressant sinon. Du coup voilà, bon bah Lincoln, j'ai réalisé ta mission, je t'ai trouvé du coup. Donc du coup je te dis à la prochaine, à très bientôt j'espère, en espérant te revoir dans de prochaines vidéos, voilà. Allez, okay. À plus. Ok, ouais, bah ok, il me dégage carrément, bah super. Ok, ouais, c'est bon, du coup on a réussi la mission du portail de Lincoln Lawn. Et du coup on va tout de suite enchaîner avec la prochaine base. Donc à tout de suite, je fais une petite ellipse et on se retrouve juste après. Ok, re tout le monde, on se retrouve du coup pour le troisième portail déjà de cette vidéo. Voilà, ça va très très vite. Bon, en même temps je m'attarde pas dans les autres bases. Du coup ça va assez rapidement quand même, mais bon il en reste quand même encore 3. Donc vous vous inquiétez pas, restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Non, il en reste encore 4 d'ailleurs, parce que voilà, j'ai pas été dans celle-là encore. Du coup voilà, restez bien jusqu'au bout de la vidéo les amis, voilà, parce que c'est plutôt fun. On s'amuse bien de revoir d'anciens personnages du coup de mes vidéos. Donc c'est parti, alors pour ce troisième portail, je pense que je vais choisir Gumball du coup. Parce que voilà, c'est un personnage qu'on a également pas vu depuis longtemps. Qu'est-ce qui nous a manqué, le petit Gumball? Ok, what? Attendez. Wesh. Ok, je crois qu'il est en train de se noyer dans l'aquarium. Attendez, alors mission, libère Gumball de cet aquarium. Ok, mais c'est quoi cet endroit? On dirait un laboratoire chelou. Ok, j'ai l'impression qu'ils ont fait des expériences sur Gumball. Ok, ça c'est bizarre. Comment je pourrais faire pour aller le libérer de cet aquarium du coup? Attendez, je vais monter en haut. Ok, il est juste ici les amis. Ah, attendez les amis, je viens de voir une éponge. Ok, ça pourrait nous servir, hop. Parce que pour ceux qui savent pas, bon bah d'ailleurs dans la vraie vie c'est également le cas, mais les éponges absorbent l'eau, donc ça pourrait peut-être nous servir pour libérer Gumball. Attendez, je vais la poser du coup, hop, ok c'est bon, ça va Gumball? Attends, hop, je vais descendre, ça va? Ça fait du bien hein. Mais ouais, t'as failli te faire noyer là. Mais oui, mais ça fait 2 heures que je suis là-dedans. Ah, ça fait 2 heures que t'es là-dedans, ok. Bon, heureusement que t'es un poisson et que voilà, t'arrives à résister du coup non, à la noyade. C'est mon frère Darwin, c'est un poisson, moi je suis un chat. Ah oui, c'est vrai, t'es un chat, j'avais oublié, mince. Mais c'est qui t'a enfermé là-dedans? C'est Darwin ou quoi? Bah non, c'est un gars avec des lunettes cheloues. Oh, c'est un gars avec des lunettes cheloues, ouais, on dirait un genre de laboratoire, c'est assez bizarre. C'est peut-être le Dr V, voilà, pour ceux qui suivent les vidéos Diabolofit35, les amis. Bon, je crois qu'il a été, enfin, il était mort, il me semble, par contre, donc je sais pas si c'est lui ou pas. Mais voilà, c'est peut-être lui, je sais pas. Enfin, dites-moi en commentaire si le Dr V est mort. Parce qu'il me semble que Diabolo m'avait dit qu'il était mort, voilà, donc suite à l'apocalypse qu'il y avait eu avec The Scary Moon, etc. Donc voilà, bon bah du coup Gumball, je vais te sortir d'ici, t'en fais pas. Au moins voilà, t'es plus sous l'emprise de l'eau, c'est déjà rassurant, au moins tu vas plus te noyer. Ouf. Hop voilà, hop, bon bah t'es libéré d'ici. Mais tu sais pas où il est parti le scientifique bizarre là que tu m'as dit? Bah non, il est parti, bah je sais pas où il est parti. Il est parti vers là-bas. Vers là-bas, ok, donc il est sorti du portail, il est parti.
Ok, bon, on va peut-être le recroiser dans la vidéo, on va se méfier quand même. Mais du coup, voilà, bon, bah la mission est réussie, Gumball. Bon, bah, du coup, ce que tu vas faire là, c'est que tu vas aller rejoindre Darwin, je suppose, non? Bah ouais. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est une expérience que je déconseille aux claustrophobes. Hein. Ok, aux claustrophobes, ouais, bon, pour ceux qui connaissent pas ce mot-là, en gros, voilà, la claustrophobie, en gros, c'est bah, être dans des espaces très confinés, et en gros, avoir peur, bah, du coup, c'est peur de quoi, Gumball? Enfin, c'est genre peur de... Comment dire ? Quand on est dans des petites pièces, ben... Ouais, voilà, je sais pas comment l'expliquer, les amis, mais en gros, imaginez juste que, voilà, vous êtes dans vos toilettes, genre, ça peut être un espace... Enfin, encore, c'est pas trop un espace étroit, mais genre, imaginez juste un espace étroit, et en gros, vous êtes coincé dedans, genre, par exemple, un ascenseur. Je pense que l'ascenseur, en vrai, c'est l'exemple parfait. En gros, voilà, imaginez, vous êtes bloqué dans un ascenseur, voilà, si vous aimez pas trop les endroits étroits, ça peut être très, très... Comment dire, ça peut être très très coriace pour vous. Donc voilà, bon, ça veut dire ça en gros que claustrophobie, petite parenthèse. Mais du coup voilà, bon bah Gumball, je vais te laisser. Je vais ressortir du coup, puisque j'ai encore 3 bases à aller visiter, 3 portails. Du coup voilà, bon bah je te laisse aller rejoindre Darwin et en espérant également te revoir du coup dans les prochaines vidéos que je vais faire du coup. Du coup à la prochaine Gumball. À plus. Ok, c'est bon, hop, on sort de ce portail du coup. Ah ouais, ok, il sort carrément, ok, bah là il est parti du coup. Ok, parfait. Bon bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite enchaîner avec le prochain portail, donc le 4e de cette vidéo. Donc à tout de suite. Ok, re tout le monde, voilà, on se retrouve pour le 4e portail de cette vidéo. Voilà, et c'est encore à moi de choisir, hein, bien évidemment. Du coup, pour ce 4e portail, je pense que voilà, on va aller voir Ladybug. Même si on l'a revu il y a pas très longtemps, voilà. Comme ça, voilà, il nous manquera plus que la base de chat noir, du coup, et celle de Spider-Man, voilà. Donc Spider-Man, c'est un personnage qu'on a jamais vu, par contre, dans mes vidéos, il me semble. Du coup, là, on va découvrir ça tous ensemble. Mais restez bien jusqu'au bout de la vidéo, puisque je pense que la base de Spider-Man va être incroyable. Donc restez bien jusqu'au bout, les amis. Donc c'est parti, on va rentrer donc dans la base de Ladybug. Ok, coucou Ladybug. Oh, salut. Wesh, ok, ça va Ladybug depuis le temps? Bah attends, non, on s'est vu il y a pas longtemps, mais je t'avais sauvé de la tour Eiffel. Je t'avais sauvé de la tour Eiffel, bah ça va, ça va. Du coup, t'as une mission pour moi, Ladybug? Bah oui, bah en fait, je voulais retrouver Chat Noir. Ah ok, tu veux retrouver Chat Noir, alors mission aide Ladybug à aller dans la chambre de Chat Noir en trouvant le passage secret. What? Ok, bah du coup, ici, c'est ta chambre, Ladybug, c'est ça? Bah oui, c'est la mienne. Ok, bon, elle est assez stylée, elle ressemble assez au dessin animé, hein, quand même, voilà. Ok, bon bah du coup on va devoir trouver un passage secret, les amis. Alors par contre je sais pas du tout où pourrait y avoir un passage secret. T'as dit quoi Ladybug? Du coup on est à Paris, bah ma chambre elle coûte très très cher. Wesh, ok, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire enfin, en vrai t'es chez tes parents là, non? Mais oui, mais ça coûte très très cher. Oui, ouais, je sais que les loyers à Paris coûtent très très cher. Mais bon, voilà, je pense pas que ça va intéresser grand monde de savoir ça, en vrai, Ladybug. Là, la mission c'est plus de trouver le passage secret, en vrai. T'as déjà regardé sous ton lit s'il y avait rien? À part des monstres, il y aurait personne. De quoi? Des monstres sous ton lit? Ah ouais, carrément, ok. Bon, bah, je vais pas regarder du coup, les amis, de toute manière. Voilà, je pense qu'il y a pas de passage secret sous son lit. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de regarder peut-être dans la glace, les amis. On sait jamais, il y a peut-être un passage secret dedans. Non, il n'y a pas de passage secret là-dedans. Le bureau, bah, je pense que voilà, il n'y a rien derrière. Hein, je vais éviter de le casser quand même. Ah, peut-être ici. Attendez, il y a un cadre. C'est assez bizarre. Attendez, what? Je peux. Wow! Ok, what? On est où là? Ok, Ladybug, viens! Ok, Ladybug, je crois que j'ai trouvé. Ok, mais attends, what? C'est quoi ce délire, les amis? Ok, donc attendez, la chambre de Ladybug rejoint directement à la chambre de Chat Noir, du coup. Ok, mais c'est une dinguerie. Ok, bon bah du coup Ladybug, t'es contente ou pas? Bah oui, oui, je suis très contente. Ok, mais regardez, du coup, attendez, on peut passer dans les cadres et tout. Oh, c'est super cool. Mais c'est quoi ce cadre? C'est un cadre de toi là, Chat Noir? Ouais, un peu, bah il est un peu pixelisé, mais c'est moi. Ok, ok, bon bah en tout cas, en tant que garçon, voilà, j'aime beaucoup ta chambre. Voilà, j'aurais rêvé d'avoir une chambre comme ça. Regardez, là, Chat Noir, il a carrément un écran plat géant et tout dans sa chambre. Un petit ordi ici, un petit baby-foot carrément avec un panier de basket et tout. Il a carrément une borne de jeux d'arcade ici. Franchement, t'as une chambre de ouf, hein, Chat Noir. Ouais, elle est pas mal, hein. T'aimerais avoir la... Stylée, hein. Bah, j'aimerais bien, enfin, j'aurais bien voulu avoir la même quand j'étais plus jeune, ouais. Bon, maintenant, j'ai une télé dans ma chambre et tout, les amis, hein, vous inquiétez pas. D'ailleurs, voilà, dites-moi si un jour vous voudriez une vidéo setup. Bon, j'ai encore pas mal de choses à finir dans mon setup, mais dites-moi en commentaire, voilà, si vous voudriez un jour une vidéo setup, donc en IRL, tout simplement. Et puis, voilà. Du coup, c'est bon, Chat Noir et Ladybug, vous êtes contents, là? Vous allez pouvoir faire plein de bisous, là, en cachette? Oui,
Ouais. Wesh. Ok. Vas-y, faites-vous un bisou d'ailleurs là, parce que je crois que dans un des épisodes de Miraculous, ouais, j'ai bégayé, excusez-moi les amis. Je crois que dans un des épisodes de Miraculous, à un moment, voilà, il y a Chat Noir et Ladybug qui se font un bisou. C'est bon, vous êtes fait un petit bisou là, du coup? Oui. Ok, ah, parfait. Bon, par contre, pas de cochonnerie. Hein. Hein, t'as dit quoi, Chat Noir? Pourquoi tu veux voir ça? Non, mais c'est pour mes abonnés, c'est pour qu'ils soient contents, genre de vous voir à deux réunis, etc. Genre. Ouais. Y'a rien en vrai. Hein, t'as dit quoi, Ladybug? Petit coquin, sors! Wesh, ok, bon, ouais, c'est bon, je vais. What? Ok, il me frappe carrément, ok, je vais sortir, je vais pas les déranger plus longtemps, ok. J'ai peut-être été un peu long à leur demander un bisou, les amis. Mais du coup, voilà, bon, bah, ça finit bien quand même, on a réussi la mission. Alors, regardez, qu'est-ce qu'ils font là, on les voit à travers le portail. Bon, on va les laisser tranquilles, j'espère qu'ils vont pas faire de cochonneries ensemble, du coup. Mais voilà, bon, on va tout de suite enchaîner, du coup, avec le prochain portail de cette vidéo. Et du coup, voilà, vu que. On a trouvé la mission de Chat Noir également, c'était celle de Ladybug. Du coup, alors, on a enchaîné deux bases d'un coup là. Qu'est-ce qui. What? Attendez, Chat Noir, j'ai entendu un bruit là, il a fait un bruit bizarre là. Qu'est-ce qu'ils font là? Ok, regarde la télé, je sais pas ce qu'ils font. Du coup, alors, on va tout de suite enchaîner avec le prochain portail, donc le dernier de cette vidéo, donc celui de Spider-Man. Donc, restez bien jusqu'au bout, à tout de suite. A few moments later. Ok, re tout le monde, voilà, on se retrouve du coup pour le dernier portail de cette vidéo. Et je sais pas si vous avez remarqué derrière moi, mais tout simplement, voilà, la nuit est tombée, donc il fait complètement nuit. What? Wesh. Ok, mais qu'est-ce que tu fais, Ladybug? C'est Chat Noir qui a dit qu'il voulait te donner ça. Ah, ok, vous me donnez un cadeau du coup? Et ouais. Ok, mais t'as pas des balles avec. Avec ça, ça va être beaucoup trop. Wesh, ok, mais t'as pas des balles avec. Parce que là, sinon, je vais galérer en vrai, il va me servir à rien le pistolet que tu m'as donné. Genre, t'inquiète. Ah, il y en a dans le chargeur. Ok, bah merci Ladybug, mais c'était pourquoi? Attends, c'était pourquoi? C'était pour me remercier du coup d'avoir trouvé le passage secret, c'est ça? Bah ouais. Ok, bah parfait. Ok, bon, vas-y, à la prochaine hein, du coup Ladybug. Bon bah c'est parti, du coup on va tout de suite enchaîner avec le dernier portail de cette vidéo, donc celui de Spider-Man les amis. Donc c'est un personnage qu'on a jamais vu comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et au moins voilà, on a une arme si jamais il se passe quoi que ce soit pour se défendre. On verra bien ce qui se passe, donc restez bien jusqu'au bout les amis, c'est très important. C'est parti, on va rentrer du coup dans le portail de Spider-Man. Ok, alors mission, délivrer Spider-Man en réalisant le jump. Ok, bon bah apparemment il y aura un jump du coup. Bon, je suis pas très très fort en jump, mais ça va, je me débrouille, ça devrait aller. Ok, mais on est où là? Ok, je pense qu'on est dans la ville du coup de Spider-Man. Ok, bah c'est parti du coup. On va réaliser le jump, je pense que ça commence ici du coup les amis. Hop, voilà, on va monter l'échelle. À mon avis, on doit monter tout en haut de la tour là, mais ça va être assez long, c'est je pense. C'est terminé, Spider-Man. What? Non. Attendez là. Wow, j'entends des bruits là. Ok, je crois que Spider-Man il est mal en point là. Il y a quelqu'un qui le retient en otage peut-être, je sais pas. Attendez, on va sauter ici, je pense que c'est par là qu'il faut sauter. Ok, on va essayer de passer par ici. En plus, c'est moche. Ouh, ok, ils sont en train de se clasher et tout, mais c'est quoi ce délire là? On entend Spider-Man, je crois qu'il est mal en point là, il s'est fait kidnapper, je crois. Attendez, on va regarder en haut. Non, je vois rien pour l'instant. Hop, on va sauter juste ici. Si je me trompe pas, attendez les amis, je sais pas ce qu'il faut faire. Peut-être aller là-bas. Non, à mon avis, il faut aller vers là-bas. Hop, on va aller vers là-bas du coup. Mais attendez, ils sont en train de se clasher et tout là. Ouais, j'entends des trucs de ouf, les amis. Hop, bon, il faut sauter ici. On va rester concentré quand même sur le jump, voilà, parce qu'il faut pas rigoler. Aïe, ok, ça fait mal. Aïe, ok, c'était quoi ça? Ok, c'est des potes électriques, je crois. J'aime bien le silence. Ça m'a électrocuté à moitié, les amis. Hop, on va monter en haut du coup. Mais là, et clairement, ils se disent des paroles assez chaudes quand même. C'est assez chaud ce qui doit se passer en haut. On va vite rejoindre Spider-Man, voilà. Parce qu'il doit se passer quelque chose de pas très normal, je pense. Alors là, je pense qu'à mon avis, il faut sauter juste en face comme ça, voilà. Hop, bon, ça devient de plus en plus compliqué, les amis. Je stresse un petit peu parce que là, clairement, si je tombe, c'est la mort, hein, les amis. Voilà, il n'y a pas de deuxième solution, là. Clairement, si je tombe, regardez la hauteur, je suis quand même assez haut. Ok, bon, je pense qu'on est bientôt arrivé en haut. Regardez, voilà, on n'est plus très loin du sommet, là. Allez, Spider-Man, c'est fini pour toi. Hop, non. On va se dépêcher quand même parce que je pense que, voilà, Spider-Man, il est en danger, là, les amis. Hop, on va sauter comme ça, voilà. Ok, ah, franchement ça va, je gère, hein. Dites-moi en commentaire, voilà comment vous me trouvez dans les jumps les amis. Bon, je vais pas parler trop vite parce que c'est pas fini, imaginons je tombe comme une crêpe là par terre. Ça serait un peu bête de ma part. Hop, ok, je pense qu'il faut aller là du coup maintenant. Hop, ok, il y a encore une escalier là. Ok, arrête. C'est par ici je pense. Attendez, les trucs sont déjà ouverts. Ok, je crois que j'ai compris ce qu'il faut faire. À mon avis, il faut faire ça comme ça. J'aspire voilà. Ton pouvoir. Ok, parfait. La prophétie a dit que je serais sauvé par un poulet. Hop. What? Ok, il parle de moi là je crois. Bon, c'est parti, ok.
Wow. Personne ne te regardez sauvera. Juste en face, les amis, il y a Spider-Man. Si. Ok, il s'est fait kidnapper du coup par un docteur. Un poulet. Oh, mais attendez, les amis. C'est peut-être le docteur que qui avait kidnappé Gumball. C'était peut-être pour ça qu'il n'était pas présent dans le laboratoire. Oh, attendez, là, il y a une échelle du coup avec un coffre. Là, il y a une pioche, une potion de saut. Ok, non, les amis, j'ai peur. Je crois que je vais devoir faire un saut là du coup. Attendez, les amis. Ok, what? Ok, bon, je pense que je vais devoir sauter de l'autre côté, les amis. Ça va être très très compliqué. Ok, bon, je le fais pour vous, les abonnés. J'espère que je vais réussir. Ok, c'est parti, on se jette la potion. 3, 2, 1. Ok, c'est parti. Wow, ok, c'est non, bon, j'ai réussi. Bon, allez, bouge pas, toi, bouge pas. Va contre le mur, va contre le mur. Dépêche-toi, dépêche-toi, va contre le mur, sinon je te tue. Jamais, okay, va contre le mur. Quoi? T'as dit quoi? Ok, c'est bon, hop. Ok, je l'ai tué, les amis. Bon, je crois qu'il allait m'attaquer. Ok, ça va, Spider-Man? Ça va, Spider-Man? Ok, ouais, bah du coup, la prophétie est donc vraie, ouais, c'est un poulet qui va te délivrer. Ok, bon, attends, je vais te sortir d'ici. Je m'attendais à mieux, mais bon. Vu qu'il y avait une pioche dans le coffre, ça me sert de ouf, ça, en vrai, pour le délivrer, du coup, Spider-Man. Merci. Ok, c'est bon, Spider-Man? Ouais, ça va mais mieux. Mais il t'a fait quoi, juste, là, le docteur qui était juste ici? Il m'a piqué avec des seringues, t'as fait mal. Ok, mais il était assez bizarre. Je crois qu'il a piqué également Gumball du coup et qu'il l'a enfermé dans un aquarium. Je pense que voilà, ça fait aucun doute. C'était ce docteur là, je pense. Ok, bon bah le principal c'est que bah j'ai délivré Gumball et toi du coup. Bon bah du coup Spider-Man t'es libre, hein, t'es de nouveau libre. Tu peux aller sauver bah du coup les habitants de cette ville. En tout cas voilà, c'est un plaisir de te voir parce qu'on t'a jamais vu dans les vidéos. Et je pense que voilà, mes abonnés bah aiment bien Spider-Man, hein, voilà. Parce que clairement moi j'ai regardé tous les films de Spider-Man, c'est trop cool. À chaque fois tu sauves des gens etc. Donc franchement voilà, t'es un vrai héros. Donc continue comme ça Spider-Man et puis voilà. Merci mec, j'ai qu'une phrase à dire pour la fin. Je suis Spider-Man, fils de flûte. Wesh, okay, what? Ok, what, regardez, c'est transformé. Mais what, attendez, il a dit quoi là? Je suis Spider-Man, fils de flûte. What, ok, mais c'est assez bizarre ce mot là. Ok, bon, en tout cas, c'est très très marrant. Cette vidéo, elle était très très drôle, les amis. Hein. Franchement, j'ai beaucoup rigolé. Dites-moi en commentaire si vous avez rigolé également. Bon, par contre, il y a un dernier problème, les amis, c'est que je sais pas comment je vais faire pour descendre maintenant. Parce que du coup, voilà, il est pas là pour me sauver, il est parti... Bah il est vite parti du coup voilà, il a pas pu me ramener en bas. Donc je sais pas comment je vais faire pour descendre. Mais bon voilà, je vais essayer de voir les amis, vous inquiétez pas. Du coup voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification si vous avez kiffé cette vidéo. Voilà, comme ça tu feras partie de la team poulet. C'est très très important les amis. Si vous kiffez mes vidéos, abonnez-vous. Et n'hésitez pas également à lâcher un gros pouce bleu en dessous de cette vidéo si on pourra atteindre les 5000 pouces bleus ou 4000, je sais plus. Bon, ça serait cool si on atteint les 5000. Comme je l'ai dit du coup dans l'introduction de cette vidéo les amis, un grand merci en tout cas à Spartax et à Deka d'avoir joué le rôle bah, de Gumball, de Ladybug, de Chat Noir, etc. Les amis, leurs chaînes seront en description. N'hésitez pas à y aller vous abonner et à y aller faire un petit tour, ça me ferait super plaisir. Sur ce, c'était Razen, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ah, et aussi les amis, voilà, n'oubliez surtout pas mon TikTok, mon Discord et mon Instagram, c'est très important. Sur ce, voilà, c'était Razen, salut salut.